Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma. On est parti pour un épisode 8 de Trackmania Editor. Et cette fois-ci, on s'attaque au circuit Sauterelle. Un circuit extrêmement hard. Là, vous pouvez peut-être croire que c'est facile de sauter comme ça. Mais pas du tout, parce que y a l'équilibre de la bagnole qui va en prendre un coup. Hein. La Formula perd souvent son équilibre. Et il faut souvent jauger ça avec le stick directionnel. Ce qui n'est pas franchement évident. C'est plus simple sur PC avec juste les flèches. Hein. Les claviers. Le clavier, c'est plus simple. C'est moins précis, mais voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est un circuit extrêmement chaud. Bah là, je fais les passages quand même assez simples. Et là, regardez-moi ça. Là, il faut pas appuyer sur le bouton A. Surtout pas avancer. Quand on est sur les flèches jaunes, parce qu'on va extrêmement vite. Et pour pas qu'on déborde voilà, cette route là, qu'on sorte de cette route. Et là vous allez voir un fail magnifique, tellement qu'il est dur ce circuit. Vous allez voir un fail magnifique de Oliver Plasma. Attention les yeux. Il est bientôt, il est sur l'intro, hein, si vous avez pas fait gaffe. Voilà. Le fail qui me fera toujours marrer. Un fail magique, magnifique. Ah bah tiens, là c'est un deuxième fail. Yeah. Je sais pas si je vais le mettre. Bah si, je vais le mettre. Vu que j'ai dit que j'ai fait un deuxième fail. Pour le fun. Mais bon, là vous allez voir que je vais réussir. Comme un dieu. Et voilà. Bon, l'une des seules vidéos où il y aurait quelques fails dans Trackmania. Voilà. Et là voilà, le... toujours la petite vue à la première personne et on y est. Alors, on y est vraiment. Alors, on voit mon magnifique circuit et que tous les drapeaux hein, juste derrière. Ah, il y a la France quand même, c'est vraiment la classe. Enfin un peu heureusement encore parce que je crois que c'est Ubisoft qui ont édité le jeu. Et après c'est une autre société qui a fait le jeu. Qui l'a créé. Donc voilà. J'ai plus grand chose à dire, j'ai plus grand chose à ajouter. Donc sur ce je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve pour un nouvel épisode.